siège avant le chauffeur. Je me suis promis une chose pour les 20 prochaines années. Ouais. Si nous sommes appelés à nous revoir. Non, je vous promets une chose, c'est de ne plus chanter, vous savez, le genre de choses qui amusent sur le moment. Et puis finalement, on l'a pris, on l'a un peu piqué à l'actualité, et ça se transforme en catastrophe. Vous voyez le genre, le papa dit... Et deux mois après, le pape de l'air, il n'y en a plus, paf, crac, plus de pape. Ah oui, faut faire attention à ce qu'on chante, donc. Donc je ne le ferai plus, mais remarquez, ceci dit, les papes, c'est pas ce qui manque. Il suffit de mettre un peu de charbon dans la cheminée et touf, il n'y a pas de tête qui sortent, donc c'est pas bien grave.
Non, ce qu'il y a de plus grave, c'est par exemple, j'ai raconté l'histoire d'un ami qui avait des problèmes avec une maison de disques, et il est devenu finalement le promoteur d'un mouvement qui marche très 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 fort en France, le chômage. Il écrase sa cigarette, puis me pousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, les sandwichs sans café. Elle ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale, Philips, s'est offert notre société. Vous êtes déclassé, et du fait de vous être remercié, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Ce soir. Il se décide à traîner, car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Il le golfait le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui ce pas pour un travailleur émigré. Il se sent dépassé. Et du fait il est remercié, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Oh 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 oh, il s'en va de bar en bar, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Pour la fille du motel, un matin banal, un soleil tout pâle, un samedi en hiver. Elle est bien coiffée, elle part travailler sur un moment à Noël. Pour la fille du motel, machinalement, la chanson blanc, finissant au café, se met à fumer en rêvant. Et pourtant, il te renseigne, ça va commencer sur vraiment un Noël pour la fille du motel. Viendra la chercher. Ils iront dîner, peut-être au ciné. Puis l'amour fatigué devant la télé, dans les draps brodés, sûrement à Noël pour la fille du motel. Yeah.
fille du motel. Bon, après Buddy Holly, après Chuck Berry, je crois que le tour est venu de monsieur Jim Vincent. Well, oh, well, oh, up, whip, whip, whip. 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 Elle n'a presque pas roulé. Avec elle, tu pourras emmener ma fille dont tu as toujours rêvé. Le type m'a piégé. L'amour donne des cours, aimer comme on t'a jamais aimé. Tous tes rêves les plus cachés, au long je te ferai tout oublier. Et te fis ma piège. Souvent reproché de ne pas chanter assez de chansons dites commerciales. Okay. Vous voyez le genre Gilo les églises. Non mais quand on ne sait pas le faire, on ne le fait pas. Hein. Ah. Quoi que ce soit, exceptionnellement, nous avons préparé pour vous, en cette approche de fête de fin d'année, un cadeau pour déposer dans vos sabots près de la cheminée. Vous le sapin scintille, enfin bref. Et mes camarades et moi-même avons répété donc une petite chanson de Noël qui j'espère vous fera plaisir. Au péril de la musique même et de nos voix, nous vous demandons de rire après et non pendant, car c'est un numéro très très difficile et très périlleux. Tout d'abord, nous avons besoin d'un ré. Je savais pas que le Père Noël était blonde. On va pas tarder à y aller. On a besoin d'un ré, d'un meilleur ré, ré, ré. Ceci est un ré. Ça y est, on va y aller. Et un, et deux, et un, et deux, et trois, et quatre, et deux. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Quand j'entends chanter Noël, Noël, j'aime à revoir
jeu d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel, le bon vieillard descend. J'aime avoir tes yeux clairs. Maman, oui, je songe à d'autres talents. Quand j'entends chanter Noël, Noël, je me revois mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau Noël. Attention, vous ne prenez pas goût à ce genre de choses. Hein. Ah non, 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 je l'ai fait ça comme ça pour rien, mais vous n'avez pas rigolé finalement. Hein. Ah, ça vous a plu. Hein. Chasser le français, il revient quand même. Hein. Allez, on essaie de se faire pardonner immédiatement. Vieux compagnon de route que vous connaissez absolument très 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 bien, puisqu'il s'agit du compositeur de Alice. Je vais craquer bientôt, il ne rentre pas ce soir, la dernière séance et toutes les nouvelles également. Il s'agit de mon vieux compagnon Pierre Papadimoulis.
N'exagérons rien. Ah ouais. Il est bien, mon frère, quand même. Bon, je vais pas en mettre. Hein. Ça va? Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle le posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Surtout entre mes femmes, d'après le Vatican. Ah oui. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer. À ma paroisse. Eh oui, vous savez,
monsieur curé. Et maintenant, avec l'aide du Seigneur, je vais essayer de faire partir la machine. Et tu. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé la une de la nuit, je me pose bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce temps. Oh, mais bien cher frère, mais bien cher soeur, vous priez avec moi, sans cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant la foule est devenue déchirante. Afin de prendre les réactions sur certains visages et de l'assistance reflète sur toute l'indignation. Garde aux autres vigilement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris. Ils me demandèrent de faire à nouveau le serment du bon Dieu. Ah, mais bien cher frère, mais bien cher soeur, hop, allez, tout son cœur. Mais mes fidèles sont partis. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire comment. Si ton papa fait perdre l'affaire, j'irai tout droit, tout droit en enfer. J'essaierai encore à la messe de midi le serment du bon Dieu. Ah, mais bien cher frère, mais bien cher soeur, encore une fois. Hop, allez avec moi, tout son cœur. Allez, boogie, boogie, avant de faire vos prières au soir. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant à vous, elle est devenue des chiens mortels. Et pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Allez, mes chers collègues, ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant à vous, elle est devenue des chiens mortels.
Pour ce qu'ils en ont fait, je veux dire. C'est pas beau. Et non, mais ça va vous faire pleurer ce que je vais vous dire. Ils ont rasé mon école. Ah, mais ils auraient dû le faire bien avant, parce que pour ce que j'y allais, c'était pas la peine. C'était pas la peine d'attendre. Non, mais ce qui est le plus triste, c'est qu'ils ont rasé le cinéma avec. Ça, c'est plus grave. Yeah.
voyait Gary Coupin qui défendait le primaire. C'était vraiment bien en France. C'est la dernière séance et le rideau sur le crâne. Ooh, ha ha.
voir plus haut.